Octobre, si je ne m'abuse, c'est exactement ça. On est le lundi 10 octobre, il est 7h35 du matin, c'est un peu le retard, mais la caméra fait grève, elle est bloquée. Regardez, elle ne veut plus bouger, c'est scandaleux. Elle veut bien faire ça. Ah, la descente, c'est pas gagné non plus. Bon. Alors, on va essayer quand même de rester là-dessus. On voit un coin de ciel bleu et un petit peu le paysage. C'est pas mal. Alors aujourd'hui, dans la grange, il fait 10 degrés, hein, un petit peu de fraîcheur. On se retrouve début de semaine. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on regarde la musique se lever, le soleil chanter jusqu'à 8h30, on se fera une petite revue de presse naturaliste. On partira évidemment chez Tella Botanica, puisqu'il y a plein d'informations, ça n'arrête pas. C'est l'automne, donc forcément, les milieux botaniques et forestiers sont en effervescence. Tac, tout ça c'est bon, parfait. Donc ça c'est 8h30, revue de presse naturaliste. 9h30, on fera des observations botaniques, enfin botaniques, fongiques pour le coup, puisqu'on va se regarder la coulomelle. En tout bien tout honneur. Et hop, un petit champi. Une petite coulomelle. Voilà, vous connaissez ça? Non? Bon, qu'importe, trêve d'accent du sud-ouest. La coulomelle, la lépiote élevée, de son petit nom technique français, vernaculaire en tout cas. On la regardera un petit peu en détail. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Oui, il y a des choses à dire. Est-ce que les chemins de la nature... Tiens, j'ai pas pensé à faire ça. Est-ce que les chemins de la nature ont fait de la coulomelle? Mais bien sûr, évidemment. Eh bien, on va aller voir les chemins de la nature, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire là-dessus. On parlera un peu de ce champignon, on fera des petites informations. Et on arrivera sur 10h30, qu'est-ce qu'on fait? On joue à Kingdom Come Deliverance, un jeu médiéval dans lequel il paraît qu'on peut devenir herboriste. Donc du coup, on essaye de devenir herboriste et on regarde un petit peu les plantes qui ont été modélisées dans ce jeu-là. Voilà le programme de la matinée. D'ici là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pétouille avec la caméra? Bon, d'ici là, on va mettre les choses en place. Et puis, on verra bien comment ça évolue, tout simplement. Donc, comme d'habitude, un bon réveil, que vous en soyez au petit déjeuner, à la préparation des enfants, déjà sur la route ou déjà arrivé sur le lieu de travail, et bien que ça soit un bon début de semaine et un bon début de journée. Ah bon? J'ai banni quelqu'un? Je vois l'historique... Je m'en souviens pas, c'est magnifique. Bon, voilà, donc il fait beau en Limousin, la caméra est en pleine rébellion, je ne sais pas pourquoi. Elle est restée au chaud tout le week-end, c'est peut-être ça. Elle ralouille parce qu'elle est restée trop au chaud. Et on se réveille en écoutant quand même un petit peu, hein, voilà, mettons le titre, minimum syndical, Chamade bien sûr. Chamade, un groupe. Ah, qu'est-ce que je fais là? Attendez, mettons plus de lumière. Pourquoi ça a rien changé quand j'ai mis plus de lumière, hein? Est-ce que l'image serait par hasard bloquée? Non, non, on est en direct. Alors pourquoi elle ne veut plus tourner? Ça. Allez, on va monter ça là-dessus. Netteté, est-ce qu'on augmente un peu la netteté ou est-ce que ça pixelise? Non, ça pixelise à mort parce qu'il fait sombre en fait dehors. Voilà, restons là-dessus. On verra bien où ça nous mène.
que voulais-je faire? Oui, préparer ceci déjà, ça c'est le début, hein. Tac, oui, non mais pas comme ça, hein. Parfait. Attendez, je vais me couper, sinon je vais marmonner. Oh, ça bouge. Mais non, il n'a pas compris ce que je voulais faire. Oh, tristesse, paf, voilà. Didadoudidada. Ah ouais! Oh là là! Pas tellement de choses à voir. Du coup, j'ai pas coupé mon micro. Désolé. Comment reconnaître une coulemelle toxique? Comment ça? Ah bon? Quoi? Il y a des coulemelles toxiques? On en apprend tous les jours. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il nous fallait aussi? Il nous fallait ça. Ah bah ça c'est bien. Oh bah il y a tellement de nouvelles choses. Le lierre, bravo. Mais ça y était pas ça. Ah si, c'était il y a 4 jours. Bah je l'ai pas vu. Bravo. Bon du coup ça m'embête un peu cette vue en direct qui veut pas faire ce qu'on veut. Qui veut pas. Elle veut pas. Voilà, elle veut pas. Ah là autre chose. Attendez, pas de panique, pas de panique, tout va bien. Salut Ganouche, comment ça boum? Oh bah un petit peu fatigué, un petit peu dans le pâté. Les oiseaux sont en forme, hein. La musique est en forme aussi. Voilà, calmons-nous, calmons les oiseaux, calmons la musique. Et comment ça va? Bah la caméra est en pleine rébellion ce matin. Ça ne se voit pas, enfin si, ça se voit, l'image est moche, tout simplement. The program is running. Ah oui, pour faire la mise à jour. Ah bah voilà. Bon attendez, on va passer en mode quoi, ça? Ah! It's back! It's back, boys! Et pas mieux! Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? La caméra en pleine rébellion. Trop de Valheim! Oui, un petit peu de pleine lune aussi, qui fait que j'ai pas super bien dormi. Mais bon. Puisque c'est encore... c'était quand la pleine lune? C'était quand? Est-ce que c'est encore? Pleine lune. Calendrier. C'était quand? C'était samedi, c'était vendredi. Le 10 septembre à 3h35, pleine lune. Ah bah c'est ce soir. Ah bah du coup les problèmes de sommeil ne font que commencer. C'était cette nuit. Bah apparemment c'est ce soir. Ce soir la pleine lune, moi je considère que c'est sur 3 jours. Hein. Visuellement, ça chipote un petit peu parce qu'il manque un petit croissant sur le côté. Mais visuellement, pendant 3 jours, elle est pleine, quoi. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais aller débrancher la caméra et je vais revenir. N'est-il pas? Mais on va s'ajouter, attendez, pause animée. Voyez ça là. On va partir au Luxembourg. Copier. On est où? Lever du soleil. Tout à fait. Tac. Coller. Référence. Voilà. Voyez, ça marche très bien. Double oiseau ce matin, dis donc. Ah. Quoi? Ah bah oui. Ah bah oui, l'arnaque. Bref. Admettons. Eh oui, c'est pas fait pour. Quoique si, mais plus bas. Non? Voilà, c'est ça, il faut le mettre tout en bas. Et du coup je suis devant, mais bon, c'est pas grave. Et toi, Ganouche, comment ça va? Tu t'es couché plus tôt, donc forcément ça va bien. Est-ce que je peux mettre le texte ailleurs? Bah bien sûr, parce que c'est moche quand même. Non, mais c'est pas ça, au secours.
Voilà, quelque part au Luxembourg. Ben là, on va le mettre là. Voilà, c'est parfait, regarde-moi ça. Ouf. Bref, pourquoi j'ai fait ça? La pêche, ah ben c'est bien. Bon début de semaine, ça. Pourquoi j'ai fait ça? Oui, pour aller déconnecter la caméra. Ah. Et là? Non, toujours pas. On la refait. Attendez. Je vais recharger le bazar. D'accord. Et comment se déconnecter, bien sûr. Comment se fait-il? Déjà qu'elles sont en pleine rébellion, bien sûr. On va faire un truc de dingue. On va enlever les oiseaux du Luxembourg. On ne peut pas. Si, on peut. Regardez, hop là. On va garder les oiseaux du Limousin. Ah, c'est plus calme, hein, tout d'un coup. On va faire l'inverse, alors. Voilà, c'est très bien. Bon, bah écoutez, je reviens. Bon, je ne doute pas que ça va très bien se passer, évidemment. L'optimisme hystérique est de mise. D'ailleurs, on va se booster dès le matin, ça fait longtemps. Ah voilà, avec un petit ronronnement, il ne peut rien se passer de mal. Bienvenue Nature & Click et bravo pour ton courage de t'être exprimé dans le chat pour la première fois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui dit? Mon Dieu, ça y est. Bonjour au train qui passe au loin. La cam est en train de se reconnecter. Ah bah oui, bah tiens, c'est reparti. Allez, double dose ce matin, Ganouche. Ah! On tient quelque chose. C'est peut-être le câble. Est-ce que j'aurais écrasé les câbles? Ce qui expliquerait pourquoi les commandes... On la ramasse? Ben non, parce qu'elle n'a pas fait l'auto-check. Oh, ça y est, va falloir que je parle avec des gens spécialisés là-dedans. Du coup, est-ce que j'ai le bon angle? Attendez, bougez pas. Ouais. Quoi? Comment ça, il y a de la buée sur... Ah non, hein. Ah, pas de la buée sur la caméra. Ah, je vous le dis en tout bien tout honneur, je vais péter un câble s'il y a de la buée sur la caméra. Mais bon, déjà, ça va mieux. Non, mais il y a de la buée? C'est une blague? Oh, ça va chier. Pardon, vulgarité matinale. Bienvenue, bien sûr. Alors, pourquoi je râle? Vous allez le voir tout de suite. On va se virer le Luxembourg. Bonjour, bienvenue dans le Limousin. Regardez-moi ça, c'est beau. Et là, à gauche, là, on est d'accord, il y a de la buée. C'est scandaleux. Ah,
Bonjour le train qui repasse au loin. Ah, c'est concept. Ça c'est du train ça. Qu'est-ce qui se passe avec la cam? Voilà. Ah, c'est bien. Très bien. Bon, alors quelques petits réglages que je fais d'habitude avant, qu'on va faire en direct. Luminosité, on est pas mal. En fait, on est pas mal. Moins de luminosité. Oh! Ah oui, moins de luminosité, nom de Zeus. Oh! Bon, de toute façon, on a le temps, il est 7h50, et par expérience, nous savons que le soleil ne se lève pas avant 8h10, je pense. Quel est l'horaire officiel ce matin? Oui, d'accord, très bien. Mais... pluvieux aujourd'hui? Ah bon? Nouveau, ça. Alors, officiellement, aujourd'hui, le soleil, il est où? Il se lève à 8h01, ce qui veut dire qu'il sera là à 8h14, d'après nos derniers calculs, si je ne me trompe. Pourquoi ça pétouille, ça? Contrôle F, non. Contrôle S, PTZ, contrôle S, contrôle F, contrôle S, contrôle F, contrôle Z, oui, voilà. Ah oui, c'est vrai, derrière, on a le ciel. Regardez, hop là, oh, on est dans l'espace. Bref. Un petit peu de rose ce matin. Est-ce qu'on peut transcender... Calmez-vous la musique. Est-ce qu'on peut transcender le rose? Saturation 99%. Ah oui, là, c'est de la belle transcendance. Non. On va être un petit peu moins extrémiste. Voilà. Netteté. Ah! C'est mieux. Oh, c'est beau. C'est mieux et c'est beau. Oh oui. Bon, je vais aller frotter la caméra parce qu'il y a un peu de buée. J'espère que c'est à l'extérieur. Si c'est à l'intérieur, je vous le dis, c'est dramatique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Dramatique. Mais si c'est à l'extérieur, ça va. Donc, je reviens une nouvelle fois. Dramatique. Super probant quand même. Il y a deux petites tâches. Bon, on aura deux petites tâches ce matin. Très bien. Le cadrage, j'ai rarement fait mieux. Hein. C'est magnifique. On a cette superbe aubépine remplie de vignes vierges qui continue de rougir. Ça fait à peine 3 jours qu'on l'a pas vue, mais dès qu'il y aura de la lumière, vous allez voir, c'est incroyable. Lumière d'ailleurs. Est-ce que... Ah non ! Vous voyez, c'est tout rouge. Mais c'est moins puissant, donc on va rester un peu dans l'obscurité de la saturation matinale. Oh, ce ciel. Oh, ce ciel. Oh, ces cieux. Oh, ces nuages. Oh, c'est beau. C'est incroyable. Salut, Lord Oft. Hein? Ça va bien, monseigneur? Bonjour tout le monde. Bonjour, monseigneur de la forêt. Écoutez, on va arrêter d'être... Hein? Il y a trop de seigneurs sur ce stream, ça suffit. Non, non, non. Appelez-moi monsieur, ça suffit. Comment ça va? Pas trop fatigué? Merci encore pour hier, hein, d'avoir répondu au pied levé à l'invitation du Miss Click. Ah, petite musique. Salut Loliane! Salut, je suis encore au lit. Magnifique bonnet. Merci. Alors le bonnet, pourquoi Loliane? C'est parce que bienvenue dans la grange. En fait, je suis dans une grange au fin fond du Limousin. Et il nous fait... ah, ça monte. Mais peut-être parce que j'ai mis le doigt dessus. 11 degrés ce matin. Donc en dessous de 14, par expérience, le bonnet est nécessaire. Surtout qu'en ce moment, je sais pas qu'il fait frais, mais c'est le changement de saison. Donc on tombe facilement malade. Et moi, je sens que c'est en train d'arriver. Ça va bien, merci. Et toi, passé un bon live hier? Bah, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Pas toi? On en parlera. On fera le débriefing. Quelle idée de stream sous 11 degrés. Et encore, encore, on n'est qu'en octobre. Hein? Rendez-vous dans 2 mois. Donc la grange n'est pas isolée. C'est pour ça que, voilà. Non, c'était nul, je plaisante, j'ai adoré. Ah bah oui, mais maintenant je sais plus quoi penser. Non mais c'est le principe du stream, alors c'est peut-être le principe le plus bête du monde, hein, on verra. Quand il fait chaud l'été, bah, vous le voyez, j'ai chaud et je suis en t-shirt. Et quand il fait froid l'hiver, vous le voyez, je suis en bonnet. Alors, mais en vrai hiver, je suis en bonnet, mitaine, avec de la fumée qui sort de la bouche, mais on la voit pas. Ça c'est ma grande déception. Quand il fait froid, il n'y a pas le souffle de givre, n'est-ce pas? Mais on verra comment ça évolue. En tout cas, l'idée, c'est de remettre un peu de naturalité dans vos écrans, que ça soit à travers le direct, dans le Limousin, le lever du soleil, hein, ou les oiseaux. Ils sont où les oiseaux? Attendez, pause. Ils sont là. Voilà, c'est tranquille, les oiseaux, ce matin, ça se réveille. Hein. Donc, remettre de la naturalité, la lumière, le soleil, les oiseaux, quoi d'autre? Bah, les dissections botaniques, évidemment. Pardon, les observations botaniques. On parle pas de dissection, on parle de... Évidemment, le champignon. Alors, le champignon, aujourd'hui, petit rappel des titres, maintenant qu'il y a des gens. Jusqu'à 8h30, on se fait la musique et le soleil, hein, en tout bien tout honneur. 8h30, revue de presse, on va partir chez... Ah, bonjour, le train qui repasse au loin. Moi j'aime bien, après si vous aimez pas, on peut en parler. Et voilà. Alors ça, c'est l'intercité... L'intercité de quoi? Ah oui, chouchou. Oui, non mais... Bah écoute, c'est tellement bien. Bah écoute, je suis un petit streamer qui n'a jamais connu le plaisir du train de la hype. Alors je fais comme je peux pour connaître le plaisir du train. Qu'est-ce que je disais? Oui, jusqu'à 8h30, on regarde le soleil se lever. 8h30, réveil ASMR, ASMR de train. Ah non, s'il vous plaît, calmez-vous. J'essaie de faire mon programme, arrêtez de me déconcentrer. 8h30, revue de presse naturaliste. On va aller voir chez Tella Botanica, le réseau des francophones botanistes, ou des botanistes francophones, je ne sais jamais. On va aller voir des vidéos du chemin de la nature, parce que j'adore le chemin de la nature, je les trouve trop bien. Des gens spécialisés en région parisienne, si vous êtes en région parisienne, sur la cueillette de plantes, de tout ce qui est naturel, de plantes, de lichens, je ne sais pas s'ils font les lichens. En tout cas, plantes et champignons, récoltes, ils sont spécialisés là-dedans, et dans la consommation, l'utilisation de ces plantes et de ces champignons. 9h30, on fera une observation botanique, enfin fongique ce matin, puisqu'on va aller voir la coulomelle. Vous connaissez ça? Petit champignon, enfin non, pas petit champignon, c'est une erreur. Les champignons magnifiques, hop là, de côté. On va aller regarder un petit peu plus en détail. Et 10h30, on retournera sur Kingdom Come Deliverance pour devenir chevalier botaniste, si le jeu veut bien nous laisser jouer. Parce que je trouve le jeu très très dirigiste. Mais là ça va, je suis pété de thunes et j'ai envie d'être herboriste, ça devrait le faire. Voilà pour le petit programme de la matinée. Attendez, j'essaye de... Ah bon? Est-ce qu'il sort? Je sais plus, il sort où le soleil? Il sort derrière celui-ci là? Ou derrière celui-ci là? Non, il sort derrière celui-ci là. Vous voyez pas la flèche, alors c'est rigolo. Non, derrière ce... Le hein, vous voyez? Il y a l'aubergine, pas du tout. L'aubépine à droite, au milieu droit, au quart de droite, il y a le chêne déplumé. Quart de gauche, il y a le... C'est quoi? C'est un grand chêne, je pense. Et le plus à gauche, il y a le noisetier. Ouais, bref. Oui, monseigneur, va lurker, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'il dit Ganouche? C'est tout ça? Existent les arboristes pétés de thunes? C'est tout, virgule, ça existe? Oui. Bah, je pense que dans la vraie vie, les arboristes, ils s'en sortent bien, quoi. Oh my god, le c'est tout était de trop. D'accord, ok.
Ah, je vois que la correction automatique, ça va de mieux en mieux. Maintenant, ça t'écrit carrément des mots, des groupes de mots entiers. C'est lundi matin, faut pardonner mon clavier. Ah oui, mais je sais pas moi. Mets-lui un petit coup de soufflette, histoire de le réveiller pour la semaine. Tiens, tu vas mieux là? Non? Continue à écrire n'importe quoi. Tu es un QWERTY, je t'ai dit, tu es un QWERTY, non pas un AZERTY. Oh, je vois bien la négociation matinale du lundi, quoi. Bon, mais bon courage, en tout cas, j'ai compris l'idée. Et ça existe des arboristes pétés de thunes, bah écoute... Tu es un QWERTY, Harry, exactement. Ça existait avant ou tu viens de l'inventer? Parce que ça marche bien. Salaire herboriste, 1200 à 2000 euros brut. Ah oui, non, c'est naze. Et qu'est-ce qu'ils appellent herboriste? C'est où? C'est quoi? L4, oh là là, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Devenir herboriste auto-entrepreneur. Ah, voilà autre chose. Comment je suis devenu herboriste? Je ne peux pas me revendiquer herboriste, je n'en ai pas le droit. C'est vrai, le métier d'herboriste n'est plus reconnu en France, enfin, aux dernières nouvelles. Je sais pas. Bah en tout cas, voilà, si tu l'avais pas entendu avant, moi je trouve que tu es un QWERTY Harry, ça... Ah, il faut en faire des t-shirts, hein. Ah, après on va décliner tout ça. Team Azer Souffle. Oui, non, je suis pas un grand fan d'Harry Potter, mes blagues vont être pourries. Vous allez me dire, oui, de toute manière, on a l'habitude, les blagues sont pourries. Oui, non, quand même. Ah oui, du coup, elle dit, je suis productrice de simples et de plantes aromatiques, tout à fait. Ah, je vais finir comme ça, moi. Faire pousser des plantes au fin fond du Limousin. Ah mais non, ça existe déjà. Je suis bête. Tiens, je vais chercher, tu es un QWERTY. Bravo Ganouche, apparemment tu es sur une exclusivité. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a les cool mails du matin qui veulent pas passer. Ah bon, ben le soleil comme d'habitude, il va, oh my god, exactement. Si tu veux, je peux te mettre en relation avec des gens qui font des t-shirts. Voilà. Je suis sûr qu'ils vont adorer ça et je suis sûr que ça va se vendre à fond de train. Faut juste trouver la bonne illustration. Hein. Oh, on peut aller plus loin. Tu es un QWERTY AZERTY. Mais bon, la référence est moins visible. Il faudrait le faire dans un deuxième temps. Donc je disais, notre soleil, si tout va bien, il va se lever là. Yeah. À cet endroit-là. On fera peut-être du zoom comme ça tout à l'heure. La dernière fois qu'on a zoomé là-dessus, quand le soleil se levait, c'était génial. Et évidemment, bah, vu qu'il y a les nuages à l'horizon, eh bien, rendez-vous dans 8h15. On pourrait faire des paris avec les points de chaîne. Le moment où, l'heure où on voit le soleil se lever, la touche du Z à la place de la cicatrice. Mais oui, mais évidemment, mais tu es un QWERTY Harry, mais évidemment. Tu es un AZERTY Harry, avec le Z à la place de la cicatrice. Mais non, mais il y a tellement de choses à faire, je crois qu'on tient un truc. On va développer le concept. Allez, bali, bali, bali. Ah non, c'est pas la même, ça a changé. Non, plus de lumière, ça me... Non. Aziz lumière, c'est pas pour tout de suite. Voyons si on fait ça. Ouais, non, ça devient juste plus sombre. Donc ça, c'est moins intéressant. On va rester à 55, techniquement. Ouais, je suis fatigué, mais j'ai mes moments musicaux, apparemment. Balib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 al
Oui, slash ronron, exactement. Mince, je l'entends pas. Exactement, c'est mon ronron. Bon, je sors le thermos pour prendre un café. Bravo, Loliane. Tout à fait, il est 8h, c'est l'heure du café, n'est-ce pas? Salut Amaterasu, bonjour, bonjour du travail. Eh bien, pareil. Et bonjour, bonjour du fin fond du Limousin. Évidemment, voilà. Quand on travaille, ça consiste à être dans la nature. Ça, c'est le travail. D'ailleurs, je vais re-raconter la petite historiette. Quand je travaillais encore il y a quelques temps, je passais parfois 4 jours sur 5 en forêt. Et le week-end, quand on me disait wow, on va se balader en forêt, ça va nous faire du bien, nous aérer et tout ça, je dis ah non, ça me rappelle le boulot, ça va quoi. Allez, je vais rentrer le chat. Mon gros chat. Allez, dégage. Bravo. Ça c'est fait, très bien. Le soleil, on est sur le coup, dans 10 minutes il sera là. Bon, détendre. Je vais faire un peu de rangement. Ouais, j'ai des champignons qui traînent absolument partout sur le bureau, c'est scandaleux. Il va falloir que je m'en occupe avant qu'il commence à fondre. Là, regardez, il y a encore le cèpe avec le petit cœur. Ça marque bien, hein. Ça reste bien. Ça reste bien. La ruffule qui transpire. Oui, du coup, le cèpe à pied rouge, je l'ai pas testé, je l'ai pas mangé parce que j'en avais qu'un et que je l'avais un peu charcuté en direct. Et je suis pas allé en chercher d'autres ce week-end. Donc, bon. On testera bientôt. Si la semaine prochaine, vous voyez un message qui dit stream annulé, point, c'est que j'aurais mangé des champignons qui m'ont fait mal au ventre. Ça va être bien. Bon, je pensais qu'il arrive ce soleil. Bah oui, dans 5 minutes à peu près. Non, 8 minutes. 8 minutes. Netteté, c'est très bien. Luminosité, on a dit, on n'en veut pas plus. Et si on fait un petit zoom, ça peut être rigolo. Pas encore. Mais bientôt, bientôt. D'accord. Bah restons là alors. Attendez, je teste de nouveaux paramètres. Oh, regardez-moi ça. Ça fait beaucoup. Et si on fait ça? Oh, l'autre chose. Ah. Ah oui, non, c'est nul. Non, c'était nul. On revient aux paramètres de base. Paf, comme ça. Un peu de... Voilà, bah oui, bah regardez, là on voit les couleurs. Bon, 8h07, comme je l'ai dit, faites-moi un café, une petite pause, une boisson chaude. Le programme, on en a parlé. 8h30, revue de presse. 9h30, observation. Regardez, il arrive. Il est là au loin. C'est it's a bird, it's a plane. No, it's the sun. Voilà. Oh, c'est beau. On va essayer de zoomer à mort. Oh, c'est, alors là, là d'accord. Ah, là j'aime bien. Là je dis d'accord. Vous voyez, il est pas du tout rond, hein. On nous ment. Et là, vous le voyez monter à vitesse réelle. Pourquoi? Ben attendez. Pourquoi il est déformé? Ça y est, oh, ça y est. Le soleil est déformé. Ah bon? Je fais n'importe quoi. Voilà, on va rester comme ça. Le soleil est un peu déformé, en effet. Ou quoi? Un beau champignon. Ah ouais, Loliane, là c'est... Mais il y a des champignons tout ronds et orange, je crois. Les oranges, justement. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Alors voyons si on tape sur Google. Champignons tout ronds et orange. On va tomber sur Bumbo l'automobile. Elle est pas orange, mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une orange. Vous voyez? Là c'est une orange. Tout à fait. Un champignon qui s'appelle pas orange, mais orange. Compliqué, hein. Ah oui. Mais oui, mais il est tout déformé. Au secours. J'espère que c'est la caméra qui fait ça. Ben non, l'arbre est pas déformé. Bon bref, on verra ça plus tard. On va dézoomer un peu.
Oh la belle boubou. Ah oui, elle est, il est vraiment derrière les nuages. Mais attendez, mais le soleil n'est pas du tout rond. On nous ment depuis le début, il est ovale. C'est scandaleux. Ou alors c'est moi qui suis ignorant. Forme du soleil, rond ou ovale? Voilà un bon débat dès le matin. Pourquoi je tombe sur des visages? D'accord, des lunettes de soleil. On ne peut pas demander si le soleil est rond et ovale. Ah, il faut 8 minutes pour que la lumière du soleil revienne à la Terre. Très bien, mais... pourquoi le soleil est rond? Mais il n'est pas rond, il est ovale. Scandaleux! Et les taches, c'est sur le soleil ou... Ah ouais. Ouais, des taches sur le soleil. Mais du coup, 8h10, il est levé. On aurait dû faire des paris. Et là, je vois 3 taches sur le soleil. Vous le voyez vous aussi, en forme de triangle. Ah ben voilà le soleil qui est anti-force de police. Oh. Est-ce que ça nous crée des belles lumières, des belles couleurs? Ça commence. Non, si on le booste un peu. Pas du tout, c'est nul. Arrête de booster la lumière. Mince, c'est pas vrai. Quoi? C'est vrai? Pas mis lunettes pour la regarder. Oh là là, ça va de pire en pire. Mince, c'est vrai, j'ai pas mes lunettes pour le regarder. C'est vrai. Absolument rien à dire pour rebondir sur ce commentaire. Je cherche, hein, je trouve pas. C'est pas votre faute, hein, c'est la mienne. J'ai l'impression d'être un vinyle qui aurait loupé le sillon, tu vois. Voilà, ça a fait ça dans ma tête. Magnifique. Bon, silence, le soleil se lève. Taisez-vous un peu. Est-ce qu'on va se coller de la netteté? Oh, mais on est déjà pas mal en netteté. Ah ouais quand même. Et si on lui dit à lui de booster à mort, ça fait quoi? Ça fait rien. Ou alors c'était nul, j'ai rien vu. Bali baloum. C'est trop sombre là, tout à fait. On va rester en 55. Bon, ben les oiseaux sont contents, le soleil est content. Est-ce que vous êtes content? Moi je suis content. Il est content. J'aime bien ce morceau. Attention les oreilles. Je monte un petit peu. Ah, je n'ai. Rien à boire. Bon, je reviens. Ganouche, perso, je suis content. D'accord, merci Ganouche. Ah, et tu vas être très content. J'ai très très envie de jouer à Grounded. Et spoiler alert, je vais te contacter dans pas longtemps pour te dire... t'es dispo tout le mois de novembre pour qu'on s'amuse? Enfin, tout le mois de novembre. Les dimanches soirs ou les samedis soirs, je sais plus ce que tu m'avais dit. Bref, je vais... voilà. On va lancer ça en novembre si ça te va. Mais il faut qu'on discute des horaires. Se mettre d'accord, qu'on bloque des trucs, enfin, qu'on organise, quoi. Si c'est le dimanche soir, pas avant novembre. Si c'est un autre soir, peut-être bientôt. Peut-être ce week-end. Ah, j'en peux plus en fait. J'ai envie d'y aller, quoi. Mais bon, j'ai proposé à d'autres gens, donc il faut que tout le monde soit ok. On discutera des clauses du contrat, exactement. On fera ça. Du coup, je vais aller me... Bon, le soleil est là, donc c'est bon, je vous le laisse, ça va se passer en automatique. Je vais aller me chercher une bouteille d'eau parce que je n'ai absolument rien à boire.
disait ça. Ah oui, d'accord. Un vieux thermos qui est là depuis quoi? Une semaine? Tout va bien? Ah! Il en reste un peu. On tente le coup? Non, jamais. Arrêtez, c'est pas terrible, voyons. Sachez vivre. Allez, petite bouteille d'eau, à tout de suite. Tu sors, Lolo? Ah, d'accord. Voilà, c'est le retour. Oh, que c'est beau. Que de brume, que de brume. J'adore. Ah ben, c'est bête, j'aurais dû faire une pause juste après. Pourquoi je suis allé chercher la bouteille d'eau? Bon. On va faire une petite pause à 8h25. 5 minutes de pause. Pourquoi faire? Pour que j'enlève les champignons du bureau? Ouais, peut-être. Non, mais parce que c'est traditionnel. On avait déjà écouté celle-là? Ah non. Papali balou balou. Est-ce qu'en zoomant, ça fait quelque chose? Mais là, il est tout rond. Est-ce que ça veut dire que la déformation de tout à l'heure... Calmez-vous la musique. Est-ce que ça veut dire que la déformation de tout à l'heure était due? Il est tout bleu. Mais non, il est un peu au voile encore. Aziz lumière. Oui, c'est bon, ça revient. Voyons luminosité si je fais ça. Mais bon, c'est plus noir. Jusqu'ici, ça se tire. Merci. Hop là, 35. C'est pas mal, ça. 35, je trouve ça bien. Oh là là, la petite brume, le soleil, le ciel bleu, le Limousin, pays fantastique. Vous avez tous les temps en même temps. Là, on part de l'été en haut de l'image, et plus on descend, plus on va vers l'hiver. C'est beau. Papali balou balou. Si je fais ça, il va faire... Ben oui, voilà, il est un cap, forcément. Thank you.
Ah, ça c'est bien, chasseurdechampignons.com. Je les connais pas, on va aller voir ça. Qu'est-ce que c'est ça, mi-courance? Non, c'est pas intéressant. Raconte quoi ça? Et ça? Est-ce que c'est la même vidéo? Mais ils ont fait combien de vidéos, les chemins de la nature sur la Coulmel? Oh! Oh! Ah oui! Oh, c'est bien illustré! Le mini Larousse des champignons! Alors bienvenue sur le stream où on baille, hein. Ça va être une matinale fatiguée, tiens. C'était quoi ce bruit? Mais c'est une garnouille ça, ou un crapiot? Des crapiauds maintenant dans le jardin, c'est nouveau ça. Bienvenue dans Vie ma vie de naturaliste, j'entends quelque chose, évidemment je coupe la musique, je vous demande pas votre avis. Et ensuite, je vais passer une demi-heure à faire le mec super concentré, vous voyez, qui plisse les yeux, pour bien... qui pisse les yeux, bravo. Pour bien montrer que je suis en train d'écouter, de me concentrer. Regardez, je le fais là. Voilà. Et évidemment, on n'entend plus rien. Drapeau ou corbeau? Comment ça? Comment ça, drapeau ou corbeau? Qu'est-ce que vous racontez, Lolian? Ah, vous me faites pas un AVC, hein? Pas en direct sur la chaîne. Ah, crapaud ou corbeau? Non, là ce qu'on a entendu c'est vraiment pas les corbeaux. De toute façon des corbeaux dans le coin, je sais pas s'il y en a, des corneilles peut-être. Mais le brah qu'on a entendu comme ça là, c'était plutôt du batracien. Oh tiens, d'ailleurs j'ai pas pensé à faire ça cet été. Ou alors c'est maintenant? Ben oui, c'est maintenant. J'ai un lac pas loin. Évidemment, j'habite dans le Limousin, donc toute personne qui habite dans le Limousin peut vous dire cette phrase très sérieusement. J'ai un lac pas loin. Voilà, c'est normal. Et donc dedans, il y a des garnouilles ou des crapiauds, je sais pas. Et il faudra aller les enregistrer un peu quand ça chante là, pendant la période de frais. On dit le frais aussi pour les grenouilles. Les périodes de reproduction, quoi. D'avril à août, ah bah oui, bah c'est loupé pour la garnouille. Et pour le crapiot, je suppose que c'est pareil. Février et avril, ah bon bah il faut se prévoir ça pour l'année prochaine. Aller enregistrer les crapiots et les garnouilles qui croissent et qui garnouillisent. Bon, bah c'est soleil brume hein, ce matin. Soleil de gris. Après Geralt de Rive, Soleil de Gris. Ça marche aussi hein, comme surnom. On va peut-être pousser la contre-lumière un peu plus fort. Qu'est-ce que ça va donner? C'est moche. Bravo. Un peu moins fort. C'est moins moche, mais c'est plus gris. h 24, si vous ne vous êtes pas encore fait un petit café ou une petite boisson chaude ou une petite pause matinale,
c'est le moment. Alors que vous soyez arrivé au travail, que vous soyez à peine en train de vous lever, que vous soyez en train de préparer les enfants, de petit déjeuner, voire de vous préparer pour retourner vous coucher, eh bien faites-le. Et que ça se passe bien. Oh, soleil de grisaille. Scandaleux. Alors je fais des tests. Si on zoome, on continue à voir la bouboule ? C'est vraiment trop... Ah ! Oh, on a quelque chose là. On a un soleil de fin du monde, mais on a quelque chose. Ouais, restons comme ça. Wow. Comment j'avais fait la dernière fois? Ça y est, je me souviens même plus. Si, mais c'était ça en fait. Custom. Ah! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Sélectionner une couleur. Ok. Pas du tout. Similitude. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? C'est complètement dingue. Ça! Attendez. Qu'est-ce qu'on a entendu là? Excusez-moi, je coupe la musique. Ça au loin. Oui. C'est nouveau. Évidemment. Bon, ça d'accord, c'est du corbeau. Ou de la corneille. Je veux dire que depuis tout à l'heure, je m'enflamme. Parce que je confonds le corbeau et le crapaud. Non, j'ai entendu un truc qui n'était pas habituel. Je n'en démordrai pas. Voilà. Allez, petite pause de 3 minutes. Non, 5 minutes.